Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez sympa qui va être celle du déballage du nouvel iPad Pro 11 pouces qui vient tout juste d'arriver. Moi, je l'ai choisi en Space Gray en capacité de 256 Go et en cellulaire pour changer. Voilà, jusqu'à présent, j'ai eu des iPads, jamais en cellulaire. Je me suis dit, c'est l'occasion, donc j'en ai pris un en cellulaire. Donc au niveau des caractéristiques de ce nouvel iPad, celui-ci pèse 468 grammes. Il a un nouvel écran Liquid Retina qui a une résolution de 2388 par 1668 pixels. Il intègre maintenant le Face ID qui pourra être déverrouillé dans un sens ou dans l'autre. Au niveau des ports de recharge, le port Lightning disparaît et laisse place à de l'USB-C. Cet iPad va, comme pour l'iPhone X, il va falloir adopter des nouveaux gestes. Il intègre aussi une nouvelle puce A12 bionique et ses performances graphiques doivent être multipliées par deux. Son autonomie devrait être de 10 heures et de 9 heures pour le modèle cellulaire. L'appareil est maintenant doté de 5 micros pour faire vos captures vidéo et aussi également bien entendre ce que vous allez dire à Siri. Il intègre une batterie de 29,37 Wh et au niveau des capteurs intégrés, vous avez le Face ID, l'accéléromètre, le baromètre, le capteur de luminosité et un gyroscope 3 axes. Donc j'espère que ce déballage va vous plaire. N'hésitez pas à partager la vidéo par la suite, à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on passe au déballage ensemble. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc là, cette fois-ci, pas besoin de cutter. Apple a tout prévu. On a une petite languette qui permet de tout ouvrir. Allez, c'est parti. Oh, que ça fait plaisir d'ouvrir tout ça. Voilà. Alors, voyons voir ça. Ouh là là, alors déjà, dès qu'on arrive, on arrive directement sur ce nouvel iPad, bien emballé, avec sa petite pomme, son optique. On va déballer ça tout de suite. Il est superbe. Alors là, vraiment, vraiment, c'est chouette. Là, on voit même nettement que les bords de l'écran sont plus pointus, sont bien arrondis de chaque côté. On arrive à voir toute la flopée de capteurs qui est là, donc jusqu'au Face ID. Alors le Face ID, vous pourrez l'utiliser en déverrouillage dans un sens ou en mode paysage, à condition de ne pas avoir votre doigt sur l'écran, car sinon ça va vous indiquer une petite flèche comme quoi vous bloquez le capteur. Alors, on va faire un petit peu le tour. Alors là, il ressemble vraiment cet iPad, vraiment aux iPhone 4S quand ils sont sortis. C'est fou quoi, c'est à peu près pareil quoi. Donc ici on peut voir les boutons de volume. Ensuite le bouton de mise en marche. Des haut-parleurs en bas et en haut. Et c'est à peu près tout. Voilà, ici on voit aussi, pardon, le connecteur USB-C qui permettra donc la recharge de l'iPad, la recharge d'un iPhone par le biais de votre iPad ou alors de partager l'écran de votre iPad sur un autre écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, voilà, les petits aimants. Voilà. Bon, on va le poser à côté. Et on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a là? On a bon, les petits feuillets de démarrage, comme d'habitude. On doit bien avoir des autocollants. Voilà l'emplacement donc pour la carte SIM. Hein, sur celui-ci, donc vous voyez, elle est là. Le nouveau chargeur d'alimentation donc de cet iPad qui ressemble pas du tout, mais alors pas du tout aux autres chargeurs d'Apple. Voilà, donc avec une connexion USB-C de ce côté-là.
Et le câble USB-C vers USB-C. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on a en fait dans cette boîte. On va poser ça à côté. Et on va l'allumer. Donc là voilà, il a fini son premier démarrage. Bon bah comme d'habitude, il nous demande les choses classiques. Et les gestes vont être les mêmes que ceux donc de l'iPhone X. Hop, on commence par choisir la langue. Le pays, c'est bien la France. Il charge les paramètres. Alors là, il vous propose un démarrage rapide. Moi, je préfère le configurer manuellement. Donc là, ensuite, il vous demande donc de vous connecter à vos réseaux, de mettre le mot de passe de la box que vous avez choisi. Voilà, le Face ID. Alors ça y est, la configuration est terminée. On va pouvoir donc commencer à jouer avec l'iPad. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que au niveau des bords, ce sont des bords bien arrondis là. C'est vraiment plaisant, c'est moins agressif. Alors l'écran est plus grand, mais c'est pas du tout encore un écran bord à bord. Bon, alors, comment ça se présente? Là, on a que les applications de base hein, qui sont installées. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On pourrait aller voir les fonds d'écran. Apparemment, il y a pas mal de trucs assez sympas. Donc, dans les fonds d'écran, on va aller voir ce qu'ils nous ont mis. Allez, choisir un fond d'écran. On va aller dans les images. Ouh là là! Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses. On en retrouve quelques-uns, mais pas beaucoup. Là, c'est quand même assez sympa. Là, quand on voit des choses comme ça, c'est plutôt joli, quoi. Alors, on va regarder, je vous fais voir déjà ce que ça donne. Il y a vraiment des beaux écrans. On va aller en voir d'autres. Ah, celui-ci est très très joli aussi. La qualité de l'image, je vous assure, elle est remarquable. C'est vraiment vraiment très très joli, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, un peu moins joli. Moi, je configurerai ça un peu plus tard. Voilà, définition de l'image est splendide. Je vous assure, rien à voir avec mon ancien iPad Air 2. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des accessoires que vous pouvez donc ajouter à votre iPad Pro. On va commencer par l'Apple Pencil, qui est au prix de 135€ et qui est de nouvelle génération, qui se rechargera directement sur le côté de votre iPad. Dès que vous allez le mettre dessus, il va être aimanté. Donc c'est quand même une belle innovation aussi. Ensuite, vous allez pouvoir acheter un Smart Clavier de chez Folio. Alors un Smart Keyboard qui est au prix de 299€. Ça fait cher aussi. Voilà, et pour finir, vous avez les covers Folio là qui commencent à partir de 89€. Et puis après, vous en avez plein d'autres dans d'autres magasins et d'autres marques. Ça, c'est ce que propose essentiellement Apple. Alors, on va se retrouver un petit peu maintenant pour parler des tarifs. Alors, pour le 11 pouces, donc le prix de départ pour un 64Go commence à 899€. Et peut aller pour le modèle 1 Tera à 1729€. Si vous voulez également ce modèle donc en 11 pouces en cellulaire, il vous faudra donc débourser 1069€ pour le premier modèle et jusqu'à 1899€ pour le modèle le plus haut de gamme. En ce qui concerne donc le grand iPad, le 12,9, qui démarre également à 64Go pour un prix de 1119€, il peut aller jusqu'à 1949€ celui-ci, oui. Et au niveau du cellulaire, pour ce modèle-là, ça commence à 1289€. Et avec la plus grosse capacité, vous arrivez à dépasser les 2000€ avec un prix final de 2119€. Oui, ça fait cher. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo déballage vous a plu. Et n'hésitez pas donc à mettre des petits commentaires
voilà, à liker, à partager, enfin comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, c'était François, ciao!